Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sous le soleil d'automne. Mission un peu particulière, vous voyez, j'ai deux cannes avec moi. Une canne montée avec un bouchon, une très 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 vieille canne. Je ne pourrais même pas vous dire ça fait combien d'années je pense qu'elle existe. Le moulinet, je ne sais même pas s'il tient encore. L'objectif, c'est de faire un premier poisson avec cette canne pour valider le défi de cette vidéo. Donc l'objectif, c'est de faire du poisson multi-espèces, dorade, macro, mulet, chinchard, tout ce qu'il y aura, tout ce qui passera. En tout cas, encore une fois, un décor à couper le souffle. Les ajoncs qui sont en fleurs juste ici. Les falaises qui sont juste derrière moi. Je prends déjà du plaisir alors que je suis juste en train de descendre la falaise. Je vous souhaite un bon visionnage et en espérant que ces images vous plaisent. Et si c'est le cas, vous savez comment manifester. A tout de suite les amis. Bon les amis, regardez mon combo. Le haut de la mer. Je sais pas si le moulinet va tenir. En fait, bah en fait l'objectif c'est de faire un poisson avec ça. Ça se trouve ça a marché, on sait pas hein. Regarde la canne qu'on va plier si je fais un poisson. Pour les débutants, mais c'est ça. On va voir si ça marche. C'est ça qui est fun aussi dans tes vidéos. Ah, y a pas de prise de tête hein. Le plaisir, le plaisir. Donc voilà les amis, moi je vais mettre des petites crevettes. Je pense mettre des petits bouts au début. Prendre une vieille pour commencer. Pour commencer, pour valider ma canne, faut que je prenne une vieille. Ouais. C'est la base. T'en as déjà pris 3 là? Oh, il dit des gros mots Cédric, j'ai coupé les amis, j'ai coupé. Par contre, vu que j'ai pas une grande canne, je vais devoir m'avancer moi. Là, je t'ai fait une vieille de 7 kg. Vas-y, montre-nous. Un mérou. Montre-nous comment tu fais. C'est parti. Je pense que je vais me faire casser, surtout rapidement. Surtout qu'ici, la spot qu'on a choisi, il y a de la houle. Et après, surtout quand elle va être un peu plus haute là. Ça va rouler là. Là, faut être très vigilant. Je vais pêcher, je vais regarder le bouchon aussi. Et je vais regarder la mer en même temps, les amis. Bon, allez, c'est parti. Je fais le premier lancer avec vous, si j'arrive à lancer. Oh, mais ça se lance bien. C'est bon, ça. Mes petits appâts, mes petits appâts. C'est vraiment nickel. Ils sont encore un peu congelés vu que je viens de les sortir. Toujours avec le... l'été indien. On est vraiment bien au bord de l'eau avec l'été indien. T'as une touche ? Regardez le paysage, spectacle de fou, la Bretagne, toute la Bretagne est vraiment belle, la plus belle région de France, je vais me faire des amis en disant ça, non mais c'est vraiment très beau par contre, c'est une très 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 belle région, ça va être dur le défi les amis, je vous jure, parce que pour lancer un tirage, avec une petite canne comme ça, que je sois limite en tension en fait, que je pense que je vais rater beaucoup de poissons, vous allez voir. C'est déjà un top sauteur pour ma vie. Oh, il est pas bon ton bouchon là. Yes. Allez. C'est quoi? Dorade. Dorade. Voilà. Elle est belle hein. Et allez. Allez ma canne. Regardez cette canne comment elle est belle. Merci. À manger pour Wissam. Ah, la canne du chef. J'ai cru qu'elle avait cassé. Bon bah poisson validé. T'as perdu quand même hein. Yes. Le meilleur est à venir. Ah super. J'avais même pas vu ton appareil au-dessus, ça. Ah, je vais le décaler. Oh. Oh là là.
C'est petit. Non. Oh là là, ben. Ouais, c'est joli hein. Ah, j'ai ressorti ce vieux truc là, je sais pas ce que j'ai retrouvé ça dans mon sous-sol. Je me suis dit, oh, je vais essayer de pêcher avec ça ce soir. Ouais, la canne elle fait 1 mètre. J'ai pris quand même au cas où une autre torche. Classique. Ah, y a pas. Y a pas de torche. Je vais lui piquer son petit bout. Bon, bah, bonne soirée à vous. A bientôt. Ouais. Merci. A bientôt. A bientôt. À bientôt. Ah. Au revoir. Oh là 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 là. Là il y avait quelque chose de gros. Regarde, c'est regarde. Des mulets, regarde. C'est des mulets. Oh là 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 là. Vous voyez les mulets qui passent là-bas, regardez. Ouais, ça a terminé, cassé. Ah, ah, c'est un bon passé là. Ouais, c'est bon de mulet. Ouais. Terminé. Ouais. Cassé. Tac. Mais ils mordent pas, ils ont une toute petite gueule. Enfin, c'est plus dur de les faire mordre. Oh la touche que j'ai eu là. Mais là c'est. Allez, merci. Au revoir. Oh la cartouche! Oh là 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 là! Ah, oh, une dorade pour Isma! Elle est belle! Hein. Elle est dans le trou, Cédric? Elle est là, elle est plus haute. Elle est sur la cartouche, quoi? Non, c'est bon. La mienne est plus grosse! Non. La mienne est plus grosse! Non, 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 non! La mienne est plus grosse, regarde! Eh? Bon, regarde-moi ça! Hop, 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 hop! Regarde, tu vois! Celles-là, elles sont pour moi, celles-là. Les miennes les plus grosses. Putain, je suis un vrai killer de dorade. Tiens, pêche avec ça. Pichon, je vais faire un gobi, là. Pêche avec ça. Ouais. Non, sérieux, tu vas... Avec plaisir. Tu te mets à côté de là-bas et tiens. Je vais te mettre un bout de crevette magique. Voilà, 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 voilà. Le hauteur, c'est pas tout le temps. Ouais, c'est mort. Je prends pas de mètre. Tiens, Isma, viens. Ouais, tu peux remonter les trucs là-bas. Ouais, vaut mieux maintenant, ouais. Regardez-moi ce beau bouillon là. Magnifique pour le bar. Donc là j'ai passé ma canne à Isma avec le bouchon. J'ai pêché avec un petit montage plomb coulissant et hameçon. Une petite olive de 8 grammes. Bon voilà les amis, fin de cette session. Vous avez vu, dès que je suis avec du monde, je suis un peu moins à mon affaire, je suis un peu moins avec vous. Et c'est pour ça que j'aime pas partager des vidéos quand je suis avec d'autres pêcheurs. Donc dites-moi si ça vous a quand même plu ou si vous avez senti que vous étiez un peu plus spectateur qu'acteur. La vidéo est terminée. Le défi de prendre un poisson avec cette canne a été grandement réussi. Plusieurs dorades, dont une très belle que je casse malheureusement. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. Décor, encore une fois, juste magnifique, magique. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup, merci pour tout. Et à bientôt les amis, ciao.